La suite du déconfinement au Royaume-Uni, envers et contre tout. Boris Johnson est sur le point d'annoncer que la levée de la plupart des restrictions mises en place pour contrer les nouveaux variants du Covid-19 aura bien lieu le 19 juillet. Et ce, malgré les avis de plusieurs conseillers scientifiques du gouvernement qui ont déclaré que cela reviendrait à ouvrir de nouvelles usines à variants. La semaine dernière, il y avait 20 000 nouveaux cas par jour dans le pays. Le gouvernement déclare qu'il est temps de laisser les gens prendre leurs propres décisions quant au port du masque, sauf dans les hôpitaux où il restera obligatoire. Et dans deux semaines, les bars et les restaurants pourront lever leurs dernières restrictions et les lieux tels que les boîtes de nuit pourront rouvrir. Il y aura toujours des limites aux voyages internationaux, mais Boris Johnson est soutenu par son nouveau ministre de la Santé, Sajid Javid, qui a admis que de nouveaux variants pourraient émerger, mais que les gens devraient trouver des moyens d'y faire face. L'un des conseillers scientifiques du gouvernement voit les choses différemment et prévient que le pays est en train de construire des nouvelles usines à variants. Boris Johnson sait que la pandémie n'est pas terminée et que les cas continueront d'augmenter au cours des prochaines semaines. Mais pour lui, il est temps d'exercer, je cite, « notre propre jugement sur la façon de vivre nos vies ».